côté du Centre d'action bénévole Montcalm, puis on est au Family Prix de Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis ici pour faire de la sensibilisation aux mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, évidemment. De façon plus concrète, je rencontre les gens. On parle ensemble de mesures sanitaires. Je réponds à leurs questions. Je leur remets de la documentation et je leur remets également des masques. On a deux types de masques. On a des masques qui sont jetables parce que des gens qui préfèrent ce type de masque-là, donc on leur en remet. Et on a aussi des masques réutilisables. C'est ça. Puis les masques réutilisables là, sont faits ici dans la région. Puis qu'est-ce qu'on devrait savoir? T'sais, on entend parler beaucoup de la COVID-19, mais il y a encore des doutes dans la population. Des fois, les consignes ne sont pas tout à fait claires. Fait que, qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens là, pour dire ben il faut continuer de faire attention? Puis qu'est-ce qu'il faut vraiment faire attention? Bien, ce qu'il faut se rappeler, premièrement, c'est que la COVID-19, actuellement, dans la région, c'est vraiment une flambée. On est passé de la zone orange à la zone rouge, puis je pense que s'il existait une couleur plus foncée, là, on ne serait pas loin de l'avoir, cette couleur-là. Donc, ça augmente rapidement. Donc, la contagion est forte dans la communauté. Il faut continuer à avoir les mesures de base, qui sont évidemment le port du masque quand on est dans un milieu public fermé. De continuer la distanciation, donc les 2 mètres là, entre les gens. Le lavage des mains, évidemment, c'est de base. Hein? On se lave les mains aussi souvent que possible, si possible au savon. Les gels hydroalcooliques, c'est un remplacement du savon, mais l'eau puis le savon, ça reste quand même la meilleure façon. Et enfin, la meilleure chose à faire aussi, c'est de réduire les contacts. Donc, d'avoir le moins de contacts possible. C'est ça, parce que plus tu as de contacts, plus tu as de chances de l'attraper. Puis c'est pas toujours facile pour tout le monde, là. C'est pas juste une grippe. Non, c'est ça. La COVID, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la COVID, c'est une mauvaise grippe ou même à la limite, tu as la COVID puis tu n'as rien. C'est vrai. Des fois, c'est vrai. Mais hélas, on ne sait pas quel numéro on va tirer à la loterie. Il y en a qui attrapent la COVID puis qui se retrouvent à l'hôpital. Et c'est pas nécessairement juste des personnes âgées. Il y a des gens dans la trentaine, dans la quarantaine, qui sont dans les services de soins intensifs dans les hôpitaux. Donc, on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qu'on va avoir comme symptômes. Donc, c'est sûr que c'est pas... En tout cas, moi, je jouerais pas à cette loto-là, personnellement. C'est ça. Là, on a des bonnes nouvelles. Apparemment, il y a des vaccins qui s'en viennent. Mais avant qu'il y ait assez de population là, qui a eu le vaccin, il y en a encore pour longtemps là, à suivre des consignes, à respecter vraiment ce que le gouvernement nous dit. Oui, puis c'est difficile. C'est de plus en plus difficile. Les gens sont... on peut dire que les gens sont tannés, hein? C'est clair, là. Les gens sont vraiment tannés d'entendre parler de la COVID, d'avoir à suivre les règles, de ne pas voir leurs proches, surtout à l'approche des fêtes, là. Il y a une grande inquiétude à ce niveau-là. Et il y a aussi que quand ça fait un certain temps, à un moment donné, les gens deviennent comme insensibilisés à ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est une société, et en société, c'est important d'être solidaires les uns des autres. Le nom de notre projet, c'est Solidarité COVID-19 Montcalm. Dans le fond, ce qu'on dit aux gens de Montcalm, c'est soyons tous solidaires. Soyons tous solidaires en respectant les mesures sanitaires et pensons aux gens les plus vulnérables. Puis les gens les plus vulnérables, c'est pas toujours ceux qu'on pense. Bien, merci beaucoup, Sylvie, puis bravo pour le beau travail. Merci.